Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Overwatch, chers amis. Donc nous allons reprendre un petit peu, je vois qu'on a beaucoup d'attaques. Alors j'aimerais éviter de reprendre en fait Winston. Mais apparemment il y aura... Bon bah il y aura qu'un Winston. Ce sera un Yeti au soleil. C'est une chose qu'on ne voit jamais. Chaque fois c'est pareil. Il n'arrive pas à avoir le POTG. Et bien sûr il fait pourtant les kills. Faudrait vraiment que je l'écrive des chansons des fois, hein, je me demande. BOU! Mais à quoi devrais-je m'accrocher? Ah d'accord, oui je m'accroche. Oh. J'ai loupé tous mes sauts. Je me suis viandé, c'est une humiliation. Mais bon, on va gagner. Enfin j'espère, sinon je serai baisé. Pour l'instant je ne fais que gagner. Car c'est Winston le roi de cette oasis. Ça, chers amis, vous arrivez à le comprendre uniquement. Il y en a un qui a tout compris là. Oh! Bien joué! Bien joué! Il m'a eu en fait, et là par contre, vous allez voir le. Voilà. Pas besoin d'aller plus loin finalement. Ok. Ah, je voyais pas Anna comme un anti-Winston. C'est chaud, mais maintenant que t'y penses, si, parce qu'il est tellement gros en tant que cible que si elle vise bien, elle. Ok. Putain, je vais pas réussir à la voir. Ah la vache. Ah bah oui, mais c'est un peu tard maintenant. Le problème c'est ça, c'est que Winston face à la tourelle. Ou alors faudrait faire en sorte que la tourelle ne vise que les humanoïdes. Et en fait, j'ai réfléchi beaucoup à ça, à tout ce qui fait en fait que ce jeu pourrait être un peu... Si, voilà, j'ai loupé mon saut. Un peu meilleur. Bah alors, y'a personne? Putain, elle m'a anti-heal. Elle m'a anti-heal. Bien joué, bien joué, bien joué. Je me retrouvais face à tout en fait. Ça a été l'horreur. Ah bon, je trouve pas Torbjörn intéressant sur cette map parce que finalement il peut viser qu'une seule chose et que dans des conditions très particulières. Ah, merde. J'ai cru entendre un... Un Reaper. Tu peux ton soin? Putain. Oh mais... J'ai rien dit, toi bien on a l'air d'être pas mal finalement. Quand on voit tout ce qui peut bloquer, c'est vrai que tout ce qui peut... denied comme... Ça c'est écœurant à regarder. C'est absolument écœurant à regarder. Ce qui est aussi écœurant à regarder, c'est de voir le nombre de DPS et le peu de kills réalisés, quoi. Ah.
Et on n'a pas d'Arez, on a très très peu de heal avec Isildur. C'est dommage. C'est dommage, mais on peut gagner là avec le dernier. Ah là là, c'est limite encore. Ça y est, ah non. Ça me chatouille le nez. Le problème c'est qu'on fait, on termine pas, on fait pas les kills. Attention, tour à l'ennemi devant. Ouais, comme à chaque fois. On va passer le mur du sang. Merde! Putain, il me saoule! Ah, c'est vrai que c'est une map aussi à Reaper. Effectivement, le saut là, il est. Il est incroyable. Ah, on n'arrive pas! J'ai vu la tasse. Regroupez-vous. Je suis en colère. C'est ça que je voulais faire à la base. Rejoignez-moi! Et putain mais... En fait je suis resté bloqué contre le putain de poteau, il y a 3 cm et ça empêche un gros singe de passer. Regardez, regardez, hop, poteau. Ah non, il y a peut-être pas plus de 3 cm. Putain, on va la perdre pour 5 cm de poteau quoi. Vous êtes sérieux? En même temps la fatale aura peut-être dû changer aussi. Et je vais pas y être à temps, non. Non, non, enfin bon, c'est pas grave. C'est pas grave, Marcus, faut pas s'énerver pour ça. Les gens jouent ce qu'ils veulent, même s'ils veulent pas gagner et qu'ils veulent casser la partie, c'est pas grave. T'as pas été plus performant que ça non plus. Allez, Marcus, sois bon joueur. Je qu'ils aient pas fait ça, genre il y a 5 minutes. Mais bon, c'est pas grave, Marcus. 5, 4, 3, on n'a pas suffisamment de heal. Voilà. Et ben voilà. Ah, il me saoule ce Torbjorn avec sa putain de tourelle de merde. Quand j'entends tourelle éjectée, j'ai envie d'avoir une crise cardiaque quoi. Oh putain, à deux ils ont réussi à avoir le point, je veux pas dire mais. En face on a. Je suis pas aidé hein. Oh la vache. Je suis absolument pas aidé en termes de DPS hein. Je sais pas où qu'ils sont. Mais lui il a réussi à louper le seul coup qu'il pouvait pas louper. Le tank. Putain mais on va pas les laisser aller sur le point. Putain regarde ça. Ah non y'a personne. Oh. C'est la fatale qui les empêche de faire quelque chose. Parce que putain, c'est d'une tristesse. Y'a personne sur le point, je suis tout seul. C'est la fête, hein. Je suis tout seul. Des
expérimentation plus poussée. Je suis sur l'objectif. Nous devons nous en emparer rapidement. Mon générateur de bouclier a été détruit. Bah oui, forcément, parce que c'est soit ça, soit le putain d'explosif. J'ai eu la tasse. Attaquez l'objectif. Ils sont pas dessus. Ils branlent rien. Oh, la gueule. Voilà, zéro. Putain, mais regarde ça, la Pharah, elle est obligée d'aller taper dans la diva, quoi. Tristesse. Bon, j'ai claqué mon ult, c'est pas grave. Le motard de l'apocalypse, c'est moi. Ah, puis ils ont sorti un Reinhardt maintenant. Ah non, c'est nous qui avons un Reinhardt. What? Quoi? Et pourquoi je suis tout seul encore? Putain, mais y'en a combien qui sont morts sur l'ulti de Diva, quoi? Non, là, je sais pas ce qui branle, franchement, là, mais... C'est une tristesse. Bon, c'est bon, moi, je m'arrête. Hein. Voilà. Trop tard pour ton mur du son, c'est débile. Et de toute façon, il n'y a pas de DPS dans la game, quoi. C'est d'une violence. Je me demande ce qu'ils foutent, hein. Ils sont tous en dehors à attendre que ça se passe. Regarde ça! Il n'y en a pas un sur le point! Ils quittent tous un par un. Voilà. Là, c'est bientôt fini, là. Voilà, on est mort. Débile! Débile! C'est débile. Je suis avec des abrutis, quoi. Ça, c'est une tristesse. Alors, on a fait les deux parties, on est d'accord. Hein. C'est la fin de la fin, là, on est d'accord. Oh. Oh, les DPS de folie qu'on se tapait, quoi. Enfin, bon, c'est pas grave. On en est où? 13 minutes, c'est trop court. Alors, j'ai pas envie d'en faire une, là, pour le coup, là. C'est la fête. On va aller voir s'il n'y a pas du 3v3 à faire, rapidement. Puisque, de toute façon... T'es tombé avec des abrutis, autant faire des parties où justement il y en a pas beaucoup. Ce qui veut dire qu'en fait, enfin non, autant faire des parties où justement ils seront potentiellement bien plus nombreux que toi. Et forcément, enfin non. Où le nombre de joueurs intelligents est encore plus important, on va dire. Enfin non, pas intelligent, parce que je dis pas que je suis intelligent. Où le nombre de joueurs qui a compris les règles du jeu est important. On verra bien. On verra. On verra. Si j'en tournerai plus de deux ou pas. Alors. King of Outside the Hill. Ce qui veut dire, attendez. Roi d'à côté de la colline, on va dire en français. Justice sera rendue. Ah bah j'arrive dans une partie où c'est déjà commencé. Ah non. De la colline. Voilà. C'est comme ça que s'appellera cet épisode. J'espère que j'aurai la place. Écoutez, j'ai bien notre objet de tanker. Hein.
Donc oui, j'ai mis ce skin là sur Rodog. Hein. Les fêtes sont terminées. Le motard. Que ce soit Halloween ou l'autre. Raté. Putain. Et bien sûr. Quoi? Ce viol. Alors lui il se balade aussi en se disant peut-être que je vais rencontrer des gens. Ah oui. Ah oui, il y avait une raison à ce qu'il a fait ou on s'est fait rect par pur plaisir, je ne sais pas. De toute façon, j'ai loupé mon grab, hein, clairement. Ah oui, de toute façon, ah, il a peut-être déjà été installé le patch du grab. Parce que le grab va changer, ça, mais le grab va être corrigé. Ça y est. Ah bon, bah, c'est cette game-là, c'est pas la peine. Hein. Moi, je vais prendre. Ah bah, je vais prendre Rodol parce que j'ai pas eu le temps de changer autre chose. Donc là en fait on a 0 DPS, on a un tank, et potentiellement moi qui vais devoir attaquer des ennemis qui seront complètement inexistants. Merci. Putain! Voilà. Voilà. Soins augmentés. Miam, miam, miam. Bon, ça, ça passe. Je suis pas sûr que la même compo passe. On peut réessayer. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr du tout. J'ai presque envie de prendre Winston, mais il a pas assez de DPS et on n'est pas assez nombreux. Je sais pas si Winston est vraiment un pick viable. Parti un peu tout seul là, bonhomme. Où est-ce qu'il est, mon copain? Mais va pas tout seul! Bon, c'est pas grave. C'est à rien, c'est débile. Notre monde vaut 3, la peine qu'on se batte 2, pour lui. 1. Place au combat. Enfin bon, c'est pas grave. Je fais le mur. Putain, mon anode, j'ai perdu un, mais il sert vraiment à rien, Chris. Hein. Mmh.
Hop, voilà. Score 2 à 2. Choisissez votre héros. Pouah, j'ai des poils qui me chatouillent. Ah, il sert vraiment à rien. Wouah. La mort est parmi vous. 1. Place au combat. Point décisif. Que onda. En avant les soins. Oula. Salut. Je dirais pas non à un peu de heal. Compris. Il se fait un petit peu. Non, non! Non! En même temps, l'autre là, l'autre Chris là qui va en solo battre les deux mecs avec son. Action de la partie. Pff, vraiment, c'est pas grave. C'est pas grave. De toute façon, moi je suis dépité par la mentalité de certains, chers amis. Regarde ça. Le mec utile. C'est pas grave. On a le niveau 13, on va avoir un coffre. Et avec du caca dedans pour finir la session, parce que je vais prendre les plus, je pense. Ok. Au passage, sur Fatal. Ok. Parfait. D'accord. Là, voilà, le réticule parce que je l'aime bien. Et l'entrée en scène sous le guide. Ok, c'est cool. Bon bah elle est setup. Parce que je l'entraîne, hein, je m'entraîne à la aim, chers amis. Hein. On verra bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens et yop.